Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est heureux de pouvoir se retrouver ce soir pour louer, pour bénir, pour adorer le Seigneur, prendre un temps, eh bien, tout simplement, eh bien, de cœur à cœur, où on va pouvoir louer, bénir le Seigneur. Je vous invite vraiment, là où vous êtes, derrière votre écran, à chanter avec moi. Alléluia, pour qu'on puisse vraiment louer, bénir le Seigneur, avoir un petit temps de prière aussi, eh bien, avoir un temps eh bien, pour recueillir eh bien, vraiment la parole de Dieu, pour l'étudier aussi, ça sera avec le pasteur Samuel. Alléluia. Et on va prendre ce premier chant qui dit « Mon Rédempteur est vivant ». Et combien il est bon de nous souvenir que notre Rédempteur est vivant. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, 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 Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Alléluia. Alléluia. Alors je ne sais pas si tous ceux de l'église le connaissent ce chant, mais j'avais vraiment à cœur de le prendre avec vous ce soir. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites, Seigneur. Je ne peux que te dire merci du profond de mon cœur. Merci avec mes simples mots. Merci, j'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites. J'ai envie de crier au monde entier
face à tant de bonté. Merci, acceptez pas ta grâce. Merci, toi et moi pour la vie. Merci. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites. J'ai envie de crier au monde entier les merveilles que tu as faites envers moi. Alléluia. Quand on réalise vraiment la grâce, l'amour de Dieu, quand on réalise qu'on est appelé enfant de Dieu, alors oui, c'est vrai, j'ai envie de le dire à tout le monde. Et je vous le dis, frères et sœurs, amis aussi qui nous suivez, eh bien que le Seigneur est merveilleux et on ne peut pas se retenir de le dire, c'est tellement bon. Et avant qu'on prenne peut-être un temps de louange, eh bien, on pourrait prendre ce chant ensemble, dit « Christ seul me suffit ». Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, l'âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, ciel est ma demeure. Et dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, Christ seul. Ce dont j'ai besoin.
cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Oui, Seigneur Jésus, comment ne pas te dire merci? Comment, Seigneur Jésus, ne pas te louer encore ce soir? Et c'est ce que je veux faire avec mes frères, avec mes sœurs, prendre un temps tout simplement pour te louer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, oui, tu nous suffis, Seigneur Jésus, en toi nous avons tout trouvé. Et nous voulons encore ce soir, eh bien, te louer, t'adorer, t'exalter, Seigneur Jésus. Et comme le dit ce chant, oui, Seigneur Jésus, merci pour la croix, merci pour le prix payé, merci pour tes grâces, merci parce qu'un jour j'ai été appelé ton enfant, et merci parce que je fais partie de la grande famille de Dieu, Seigneur. Oh, je veux vraiment te prier, Seigneur, pour qu'en ce temps, même de louange et d'adoration, mes frères et mes sœurs qui passent peut-être par des moments difficiles, eh bien, tu puisses tout simplement les renouveler, que tu puisses vraiment, Seigneur Jésus, les encourager, qu'ils puissent sentir vraiment eh bien, cette douce présence qu'est ton esprit, cette tendresse qui vient du cœur du Père. Seigneur, vraiment, viens nous bénir encore ce soir. On a tellement besoin de toi, on a tellement besoin de ta grâce. Et Seigneur Jésus, c'est vraiment ce que nous voulons tout simplement te dire ce soir. Tu nous suffis, en toi nous avons tout trouvé, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Si vous voulez prendre un temps, alors que je suis juste en train de jouer, eh bien, pour élever vos voix, même si vous êtes derrière votre écran, eh bien, sachez qu'on est en communion les uns avec les autres. Et prenez vraiment le temps de le faire. Alléluia, gloire à Dieu, le nom du Seigneur soit béni, ça fait du bien d'avoir ce temps eh bien, de louange. Et je vais laisser toute la place au pasteur Samuel, vraiment que le Seigneur le bénisse, et on veut être attentif à ce que le Seigneur veut nous dire. C'est réalité, la croix devant moi, et dans ces temps particuliers de fin d'année, nous voulons plus que jamais être proches du Seigneur. Alors, comme vous voyez, je vais bien, c'est vrai que j'ai eu le Covid il y a quelques jours maintenant, je me suis fait tester hier et la nouvelle est arrivée ce matin, je suis négatif, donc je vais pouvoir reprendre une vie sociale, je vais pouvoir donc prendre mes enfants dans les bras, et ça c'est vraiment super pour ceux qui
ont vécu ces choses, ils savent de quoi je parle. Le Covid que j'ai eu, ça a été une forme légère, rien de très grave. Heureusement, merci Seigneur. Et on pense à ceux aussi qui ont vécu des moments difficiles. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Ce soir, j'aimerais parler d'un personnage de la Bible du Nouveau Testament que vous connaissez certainement. Et si je vous dis quelque part son surnom, vous allez de suite voir de qui nous allons parler ce soir. Si je vous dis le disciple que Jésus aimait, de suite, pour ceux qui connaissent un petit peu les évangiles, vous allez me répondre, on va parler de Jean, de l'apôtre Jean ce soir. Et c'est vrai, puisque l'apôtre Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. 5 fois dans l'évangile de Jean, cette appellation est présente, cette expression est retrouvée. Et on peut se poser la question, mais finalement, pourquoi est-ce que Jean, qui a rédigé l'évangile de Jean, lui-même s'est appelé le disciple que Jésus aimait? Alors que je relisais ces choses-là la semaine dernière, quand on a un regard extérieur, un regard contemporain, un regard d'Occident, on peut se dire mais peut-être qu'il a voulu se placer un petit peu au-dessus des autres. C'est un petit peu le regard qu'on pourrait avoir. Alors j'ai posé la question aux jeunes, on a un groupe WhatsApp à la jeunesse, et puis j'ai posé cette question, d'après vous, pourquoi est-ce que Jean s'est fait appeler le disciple que Jésus aimait? Et toutes les réponses étaient justes. Beaucoup de réponses, justement, allaient dans le sens où Jean, il a choisi cette expression, c'est parce qu'il était le plus proche de Jésus. Beaucoup allaient dans ce sens-là, et c'est une réalité. Jean était proche de Jésus. Jean faisait partie du trio qui accompagnait Jésus dans des moments particuliers. Pierre, Jacques et Jean, on les retrouve à plusieurs endroits des évangiles. Et c'est une raison pour laquelle, c'est vrai, Jean s'est fait appeler le disciple que Jésus aimait. Mais une des raisons principales, c'est qu'à cette époque-là, ça ne se faisait pas de se nommer soi-même. Si vous regardez dans les évangiles, les auteurs des évangiles ne se nomment pas eux-mêmes. Alors peut-être que ceux qui connaissent la Bible peuvent me dire mais Paul s'est nommé lui-même. C'est vrai que Paul s'est nommé, mais dans les évangiles, ça ne se faisait pas. À cette époque-là particulière, ça ne se faisait pas. C'est ce pourquoi Jean ne s'est pas nommé lui-même comme Jean, avec son prénom. Mais il a cherché justement une autre appellation. C'est ce pourquoi aussi il n'a pas nommé certains membres de sa famille. Et gardez ça à l'esprit, ça va nous servir pour la suite. Pourquoi Jean n'a pas nommé certaines personnes de sa famille? Ça ne se faisait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jean? Il s'est assis, et c'est à la fin de sa vie qu'il a écrit cet évangile, et il a cherché comment. Comment est-ce qu'il pouvait finalement s'appeler sans nommer son prénom? Et on imagine qu'il a dû prier, qu'il a dû savoir comment il pouvait s'appeler, il a dû rechercher. Et puis simplement, cette expression qu'on peut penser peut-être presque orgueilleuse, le disciple que Jésus aimait, finalement elle est pleine d'humilité. Puisqu'on peut voir justement cette réflexion de Jean comme celle-ci, qui est-ce que je suis moi? Je suis juste un disciple que Jésus aimait. Comprenez-vous que cette expression, finalement, elle est pleine d'humilité. Et peut-être qu'on peut se qualifier aussi comme ça. Parfois, dans le monde, on cherche des appellations, surtout aujourd'hui avec l'ère d'Internet, avec l'ère de YouTube, les apôtres, les prophètes qui ont d'excellentes révélations à donner à tout le monde, les bishops, les archibishops. Lui, Jean, il s'est assis à la fin de sa vie avec tout ce qu'il savait, tout ce qu'il connaissait, et il s'est dit, mais comment est-ce que je peux m'appeler ? Juste, simplement, le disciple que Jésus aimait. Et combien il est bon de se rappeler que nous sommes le disciple, tu es le disciple que Jésus a aimé. Nous l'aimons. Et dimanche, il a été question du plus beau des cadeaux, Dieu qui a tant aimé. Mais si nous pouvons l'aimer en retour, c'est parce que lui nous a aimés en premier. 5 fois donc, il est mention du disciple que Jésus aimait. C'est une des raisons pour lesquelles Jean s'est appelé le disciple que Jésus aimait. Après, c'est vrai qu'il était proche. Il était proche de Jésus, le disciple que Jésus aimait. On peut peut-être se dire, mais est-ce que c'est Jésus qui a dit, Jean, viens m'aimer, je veux faire de toi celui qui est plus proche que les autres? Non, ce n'est pas Jésus qui a créé cette volonté, ce n'est pas Jésus qui a créé cet élitisme, mais c'est Jean lui-même qui voulait être plus proche de Jésus. Puis je suis arrivé à une autre idée, à une autre conclusion. Pourquoi est-ce que Jean, en plus de ces raisons-là,
s'est appelé le disciple que Jésus aimait, c'est peut-être aussi pour une raison qui est celle-ci. Vous savez que les personnes autour de nous, celles que nous côtoyons, agissent comme un miroir. C'est le reflet de qui nous sommes. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est avenant, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui prend soin des uns des autres, quelqu'un qui va prendre des nouvelles, quelqu'un qui discute facilement, qui va vers l'autre. Finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Les personnes vont lui rendre ce qu'il est. Pourquoi ? Parce que les personnes autour de nous, notre cercle privé, notre cercle élargi, sont le reflet de qui nous sommes. À l'inverse, quelqu'un qui n'est pas trop avenant, qui est timide ou qui n'a pas cette facilité d'aller vers les personnes ou qui tout simplement n'aime pas trop les gens, ça arrive aussi, des personnes qui n'aiment pas trop les gens, eh ben, il peut se retrouver dans cette position de dire « mais les personnes ne m'aiment pas ». Pas grand monde même, pas grand monde va prendre des nouvelles de moi. Je suis malade, mais personne ne m'a appelé. Et comment ça se fait ? Pourquoi ? Parce que les personnes sont le reflet de qui nous sommes. Quelqu'un qui prend régulièrement des nouvelles des uns et des autres, le jour où il est malade, on va penser à l'appeler. Mais quelqu'un qui s'isole, parce que les personnes sont le reflet de qui nous sommes, va se retrouver isolé. Et ça, c'est une réalité. Je suis encouragé de voir que dans ces périodes de fête, bien qu'il y ait des personnes seules ici à l'église de Narbonne, beaucoup ne vont pas se retrouver seules. Pourquoi ? Parce qu'elles ont tissé des liens. Pourquoi ? Parce qu'elles vont vers les personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles s'intéressent aux autres. Et quand tu t'intéresses aux autres, forcément les autres aussi s'intéressent à toi. Les personnes sont le reflet de qui nous sommes. Alors pose-toi la question, est-ce que je suis seul ? Si tu es seul, mon ami, il y a une invitation pour toi aujourd'hui à t'intéresser aux autres, à aller vers les autres. Et certainement, tu ne resteras plus seul. Ces exemples sont nombreux ici, mais également dans les endroits où je suis passé et autour de moi, je le vois. Les personnes sont le reflet de qui nous sommes. Alors, pour en revenir à Jean, il pouvait peut-être se dire mais je suis le disciple que Jésus aimait aussi. Une des raisons pour celle-ci, c'est que Jean aimait Jésus. Et quand il était proche de Jésus, parce qu'il était proche de Jésus, il pouvait peut-être sentir plus que les autres que Jésus l'aimait. C'est pas que Jésus aimait plus Jean. Jésus aimait tous les disciples pareils, que ce soit Barthélemy, Thaddée, Simon, Judas. Il les aimait tous pareils. Il nous aime tous pareils. Mais peut-être que chez Jean, il y avait cette volonté d'être plus proche de lui, d'avoir un peu plus, de manifester un peu plus l'amour vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de son Seigneur. Et d'ailleurs, on voit que les actes qu'il a fait, qu'il a laissé, montre qu'il y avait cet attachement particulier vis-à-vis de Jésus. Alors, je vous pose aussi une question dans ce passage bien connu où Jésus est en train de manger son dernier repas. Vous savez qu'il est dit que Jean va poser sa tête sur la poitrine du Seigneur. Et on le lit ensemble dans Jean chapitre 13, verset 21. Jean chapitre 13, verset 21, il est dit « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » ou qui lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Ce passage est bien connu. Et alors que je méditais là-dessus, j'ai été voir mon épouse et je lui ai dit, mais d'après toi, pourquoi est-ce que Jean a posé sa tête sur la poitrine de Jésus ? Et elle me répond comme on aurait tous répondu, mais parce qu'il aimait Jésus. Je dis oui, d'accord, c'est vrai, il aimait Jésus. Alors il va poser sa tête sur la poitrine de Jésus. J'ai dit, mais avant cela,
Et je vous pose la question, avant cela, est-ce que vous avez trouvé la réponse avant ça? Pourquoi est-ce que Jean a posé la tête sur la poitrine de Jésus? Parce qu'il aimait Jésus. Oui, mais avant ça, je ne sais pas trop. Et je lui ai dit simplement, et je vous le dis aussi ce soir, c'est parce qu'il était assis à côté de Jésus. C'est tout simple. Si Jean avait été à 2-3 places plus loin que Jésus, il n'aurait jamais pu poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean était assis à côté de Jésus. Il y avait une grande tablée. Ils étaient peut-être plus de 12, certainement, avec les femmes qui étaient là aussi et qui les servaient. Ils étaient bien nombreux. Mais où était assis Jean? À côté de Jésus. C'est merveilleux pour nous parce qu'aujourd'hui, on peut retranscrire cette scène et se dire, on est tous à la table du Seigneur. On a tous été invités par Jésus. On a tous été rachetés par le sang de Christ. On est tous enfants de Dieu. Et si quelqu'un ce soir n'a pas encore fait la paix avec Jésus, je vous invite vraiment à réaliser que Jésus, le Fils de Dieu, veut t'inviter à sa table. Il veut souper avec toi. Dans un autre passage des évangiles, Jésus dira que si quelqu'un lui ouvre la porte, il rentrera chez lui et il mangera avec lui. Et Jésus veut souper avec toi. Ce qui est merveilleux, c'est que tu peux être déjà assis à la table de Jésus. Et on peut se réjouir profondément de cette réalité. Nous sommes assis à la table du roi. Nous sommes assis à la table du Messie. Mais quand tu es assis à la table de Messie, tu peux choisir ta place. Ça vous est certainement déjà arrivé d'être dans une grande tablée et ça va peut-être arriver à plusieurs pendant les fêtes où il y a la table qui est dressée, on n'est pas encore assis, mais qu'est-ce qu'on fait? On choisit à côté de qui on veut s'asseoir, en fonction de nos affinités. Hein, et peut-être qu'on peut même se mettre d'accord avant. Bon, tu me gardes une place. Hein, bon, allez, viens, on s'assoit à côté. Parce que je veux être assis à côté de telle ou telle personne. Ou je veux ne pas être assis à côté de telle ou telle personne. Comprenez donc cette pensée. C'est que alors qu'ils sont tous prêts à s'asseoir, les disciples, Jean a de suite choisi sa place. C'est comme si c'était presque habituel que Jean soit assis à côté de Jésus. C'est lui qui a choisi sa place. Il voulait être assis à côté de Jésus. Pourtant, on aurait pu juste se contenter du fait que tu sois assis à côté, à 2-3 rangs, au bout de la table, en face de Jésus. C'est pas tellement grave, c'est déjà bien. Mais même si tu es assis à la table de Jésus, tu peux choisir ta place. Si Jean a pu poser sa tête sur le torse de Jésus, sur la poitrine de Jésus, c'est parce qu'il était assis à côté. La question que je veux nous poser et que je veux me poser, est-ce que je me contente juste d'être assis à la table de Jésus, ce qui est déjà merveilleux, ce qui est déjà plein de grâce, ou est-ce que je veux être plus proche de lui, je veux être assis à côté de lui? Est-ce que je peux choisir cette place? Je peux oser? Jean, c'est quelqu'un qui ose. Et pourquoi est-ce qu'il ose? Je me suis un petit peu projeté dans cette réalité. Pourquoi est-ce qu'il ose? On peut se dire, Jean, il ose, parce que vous le savez certainement, c'était l'un des disciples les plus jeunes. Jésus, à cette époque-là, il avait plus de 30 ans. Certainement 33 ans. C'est la dernière année de sa vie sur Terre. Mais Jean, lui, quand il a été appelé, il avait certainement moins de 20 ans. Et l'écart d'âge fait qu'il ose plus facilement poser sa tête sur la poitrine de Jésus. On peut mal imaginer quelqu'un de 33 ans poser sa tête sur quelqu'un de 33 ans. Hein, comprenez que socialement parlant, au niveau des relations, c'est un petit peu plus gênant que si un jeune vient poser sa tête sur quelqu'un d'un peu plus âgé. Hein, ça se comprend un peu plus. Ça se comprend un peu plus. Il y a cet écart d'âge. Et quand on est jeune, on a un peu plus de liberté. Peut-être que les papis, les mamies attendent cela de leurs petits-fils. Pourquoi ? Qu'ils viennent justement les serrer dans les bras. Pourquoi ? Parce que ils sont plus jeunes, ils calculent moins, ça se fait plus. Par contre, quand on est plus âgé, il y a des codes qui nous rattrapent de par la société. Ça se fait pas de manifester trop l'amour, des gestes d'affection envers quelqu'un qui a notre âge. Hein, ça se fait pas trop, ou peut-être même un plus âgé envers un plus jeune, ça se fait pas trop, mais un plus jeune envers un plus âgé, ça se comprend plus, c'est plus acceptable. Et j'aimerais nous dire ce soir, soyons jeunes avec Jésus, osons lui manifester notre amour,
Osons lui exprimer tout notre amour. Osons poser notre tête sur sa poitrine. Parfois, avec le temps, avec l'expérience, avec l'âge, on n'ose plus tellement, on ne s'autorise plus parce qu'on devient des messieurs et parce qu'on devient des madames. Mais Jean, s'il a pu faire ça, je crois aussi c'est parce qu'il y avait cet écart d'âge. Il était plus jeune, il s'est permis cette liberté. Et je me dis qu'avec l'âge et les années qui passent de vie chrétienne, on doit conserver cet aspect juvénile de la foi, cet aspect jeune de la foi, cet aspect où j'ose encore dire « Jésus, je t'aime, j'ai envie de te serrer dans mes bras, j'ai envie d'être assis à côté de toi, j'ai envie de cheminer avec toi, je suis tout autant passionné ». La jeunesse a cette symbolique de la passion, de cette envie de « tant pis si on me regarde, tant pis si on me juge ». On mettra ça sur le compte de la jeunesse. Je veux poser ma tête sur le cœur de Jésus, la poitrine de Jésus. Je ne sais pas si vous le savez également, une des raisons pour lesquelles peut-être Jean avait cette proximité de Jésus. Plusieurs pasteurs le savent, mais d'autres, j'en ai appelé plusieurs justement, ne le savaient pas. Et on peut arriver à cette déduction, c'est que certainement Jacques et Jean étaient des cousins germains de Jésus. C'était même un lien de parenté plus proche que Jésus et Jean-Baptiste. Et je vais simplement m'expliquer. C'est que dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc, on voit qu'il y a plusieurs femmes qui sont là à la croix, et il y a notamment Salomé dans l'évangile de Marc. Or, Salomé n'est pas présente dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et au verset 25. Jean l'a remplacée parce que justement, c'est sa famille, c'est sa maman. Salomé, c'est la maman de Jacques et Jean, et il ne l'a pas nommée puisque ça ne se faisait pas de nommer sa famille, comme je vous disais au début. Donc il l'a remplacée par la mère de Jésus et la sœur de la mère de Jésus. Et on comprend grâce à cela que finalement Salomé, c'était la sœur de Marie. Et beaucoup de théologiens dans les commentaires veulent l'affirmer, notamment un homme qui s'appelle Donald Carson, qui est un grand théologien évangélique américain, qui lui va un peu plus dans ce sens-là, sans néanmoins l'affirmer. Il y en a qui l'affirment, d'autres qui disent que ça peut être une déduction. Mais c'est certainement probable que Jacques et Jean étaient des cousins germains de Jésus. Peut-être que vous l'apprenez, et voyez le titre, hein, « Révélation sur le disciple que Jésus aimait ». Donc, ce qui fait que Jean était le cousin germain. Et on comprend aussi que Jean, le seul qui est à la croix, tous sont partis. Le seul qui reste, c'est Jean. Il montre son amour. Et Jean dit à Marie et à Jean, voici ta mère, voici ton fils. Pourquoi ? Parce que ça se faisait à l'époque que ça reste dans le cercle familial. Ça vient renforcer l'idée que Salomé était la sœur de Marie. Et donc la tante de Jésus-Christ. Donc il y a cette relation. Pourquoi est-ce que Jean était aussi proche de Jésus ? Parce qu'il y avait l'humilité. Comment est-ce que je peux me nommer ? Je suis juste le disciple que Jésus aimait. Parce qu'il y avait cette proximité, il faisait partie du trio de tête, il avait envie d'être plus proche de Jésus. Il y avait aussi cet âge qui lui permettait d'oser poser la tête sur le torse de Jésus. Et puis, il y avait aussi cette relation familiale, être assis à côté. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne, justement, de vouloir être plus proche de Jésus ? Dans le passage que j'ai lu, nous voyons que le seul qui a la révélation de qui est le traître, c'est Jean. Nous l'avons lu, Pierre va faire signe à Jean de demander, et Jésus va dire à Jean, il ne va pas lui dire « non, ça ne te regarde pas ». Il va lui avouer, c'est celui à qui je donne le morceau trempé. Et quand il donne le morceau trempé et qu'il dit, fais ce que tu as à faire, et nous l'avons lu, il est dit, personne ne va comprendre pourquoi Jésus dit ça à Judas. Fais ce que tu as à faire. Tous pensaient, c'est que certainement Judas avait quelque chose à faire avec l'argent, où il devait donner l'argent aux pauvres. Mais le seul qui savait, c'était Jean. Quand tu es proche de Jésus, tu reçois des choses, tu vis des choses que peut-être ceux qui sont à la table ne vivent pas. Pourquoi ? Parce que tu veux, c'est ta volonté d'être plus proche de Jésus. Tu peux te contenter, et on se contente, et je me contente de savoir en général ce que Jésus dit, ce que la Bible dit. Mais je ne sais pas vous, j'en arrive parfois à des conclusions dans ma vie où Seigneur, je vais être plus proche de toi.
Tu nous montres dans les évangiles qu'il y a eu un choix qui a été fait par certains disciples. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas Jésus qui a dit « Jean, viens, je veux que tu sois le disciple le plus proche ». Ce n'est pas Jésus qui a choisi. Jésus, il a laissé venir. Et c'est Jean qui a choisi d'être plus proche. Et que nous puissions terminer cette année civile en disant « Seigneur, en cette année qui va commencer, je veux être comme Jean ». Je vais être plus proche parce qu'il y a des choses que je vais pouvoir savoir. J'aime ce passage de Jérémie, c'est l'un de mes versets les plus préférés. Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » C'est l'un des versets que je cite presque chaque jour quand je prie. « Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me révèles. J'ai besoin que tu m'avertisses. J'ai besoin que tu me révèles ta parole. » Pas forcément ce qui va se passer, mais déjà, Seigneur, ce que je dois savoir sur moi, ce que je dois savoir sur toi. Déjà, rien que ça, ça me suffit. Seigneur, et si tu ne veux pas me révéler, tu ne me révèles pas, mais ce que je veux, c'est être plus proche. Jean va être le seul qui va savoir que Judas va livrer Jésus. Et je me dis, heureusement, parce que si c'était Pierre qui l'avait su, certainement, Judas, il n'aurait pas été loin et ça aurait compromis tous les plans, finalement, que Dieu avait échafaudés pour que Judas puisse livrer Jésus et que Jésus puisse aller jusqu'à la croix. Jean a su ça et il l'a gardé. Que fait le fait d'être plus proche? Révélation que personne n'a. Également, tu n'as pas honte. Quand tu es proche de Jésus, tu n'as pas honte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au chapitre 18 et au verset 15, il est dit que Pierre va vouloir rentrer dans la cour, mais qu'un autre disciple était rentré dans la cour et qui va lui ouvrir la porte. Et cet autre disciple, lui qui ne se nomme pas, on comprend facilement que c'est Jean. Surtout que dans l'évangile de Jean, Jean s'associe souvent à Pierre. Souvent, il est marqué Pierre et Jean dans l'évangile de Jean. Donc, on comprend facilement que c'est Jean. Jean qui va ouvrir la porte. Mais à qui la servante va dire à Pierre? À qui la servante va dire, mais toi aussi, tu es de ces disciples-là? C'est à Pierre qui va le dire. Autrement dit, on peut voir l'histoire comme celle-ci. Jean est là et tout le monde sait. Tout le monde sait que Jean est disciple de Jésus. Et Jean s'en cache pas. Jean, tu peux lui dire, hey, toi aussi, tu es disciple de Jésus. Jean va dire, ben oui, je suis disciple de Jésus. Tout le monde le savait, puisque la servante va dire, toi aussi. Et le aussi montre que le disciple qui a ouvert la porte était reconnu comme disciple de Jésus. Et remarquez, la servante n'attaque pas Jean. Pourquoi? Parce que Jean, il assume. Quand tu es proche de Jésus, tu assumes d'être chrétien. Tu n'as pas peur du regard des autres. Et la famille de Zébédée était une famille aussi assez connue et assez fortunée. D'ailleurs, beaucoup pensent que dans la chambre haute, c'était certainement là où il y a eu le repas, c'était certainement dans une des maisons de la famille de Jean. C'est ce que les historiens disent. Mais on revient au texte biblique. Jean va ouvrir la porte. Et plusieurs vont attaquer Pierre, mais Jean, lui, on ne l'attaque pas. Pourquoi? Parce que Jean, il assume, il n'a pas honte. Quand tu es proche de Jésus, tu n'as pas honte. Et peut-être que dans ta vie, parfois, il t'est arrivé de ne pas affirmer ta foi. Et peut-être par sagesse, et tu sentais que ce n'était pas le moment. Je ne suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit. Mais je veux juste laisser sur notre cœur, plus on est proche, moins on a honte de Jésus. Plus on est proche, plus on assume notre relation filiale avec Jésus. Également, il y a un impact dans la vie des autres. Non, également, avant ça, tu as foi. Plus tu es proche, plus tu as foi. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, qui est-ce qui va courir au tombeau? Pierre et Jean. Et Jean étant le plus jeune, bah, il allait plus vite, forcément. Donc il est arrivé le premier, mais il ne va pas rentrer le premier. L'expérience de Pierre et la force de caractère de Pierre fait qu'il va rentrer dans le tombeau. Mais en revanche, il est dit, en parlant de lui-même, le disciple que Jésus aimait, quand il va voir les bandelettes, il va voir et il va croire. Pierre n'a pas cru de suite, mais Jean, lui, a cru de suite. Pourquoi? Parce qu'il était plus proche. Plus tu es proche, plus ta foi grandit. Si tu faiblis dans la foi, mon frère, ma sœur, soyons vrais, à chaque fois qu'on a faibli dans la foi, c'est parce qu'on s'est éloigné de lui. Non pas que lui s'est éloigné de nous, mais que nous, nous sommes éloignés de lui. Et quand tu es proche, tu vois et tu crois. Tu ne doutes pas. Même si le doute pourrait être présent, tu ne doutes pas parce que tu es proche. Tu as foi. Je termine avec une autre chose qu'engendre justement le fait d'être proche de Jésus, une autre comme révélation,
et là, c'est un peu plus sur le ton de l'humour, c'est l'impact que tu as autour de toi. Dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, Pierre va dire à Jésus, en voyant Jean qui arrivait, Pierre était en train de parler avec Jésus et Jean arrive, et Pierre dit à Jésus, « Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Parce que Jésus venait de révéler quelque chose à Pierre concernant sa fin, sa mort terrestre. Et Pierre dit à Jésus, mais et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et vous connaissez ce passage, Jésus va lui dire, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi suis-moi. C'est juste la réponse de Jésus. Et regardez la déduction de Pierre et la déduction des apôtres. Là-dessus, beaucoup vont croire, une rumeur s'est répandue que Jean n'allait pas mourir. Cette rumeur, juste à la base d'une réponse de Jésus, mais que t'importe, si je veux, il n'a pas dit que ça allait se faire comme ça, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Et ils ont pris le « si » de Jésus comme une affirmation. Et là, on voit aussi quelque part la foi de Pierre. Et parfois, le « si », ça ne veut pas dire « c'est ce qui va se passer », mais ils croyaient tellement que c'était ça. Pourquoi ? Parce que les disciples savaient que Jean avait une relation particulière. J'en arrive peut-être même à la conclusion que pour les disciples, c'était presque pas étonnant. À la limite, s'il y en a un qui ne devait pas mourir, ce serait peut-être le jeune Jean. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement proche. Il est là à la croix. Il est là assis à côté de Jésus. Il est là, il voit et il croit quand il voit les bandelettes. Il a vécu toutes ces choses, Jean. Donc s'il y en a un qui ne doit pas mourir, à la limite, ce serait lui. Autrement dit, on peut en conclure que Jean a laissé un témoignage impactant dans la vie des disciples. Jean a été impactant de par l'amour, de par la transformation. Lui qui était Boanergès, celui qui voulait que le feu tombe, est devenu le disciple de l'amour. Il a vécu très vieux. Il a rédigé ses écrits certainement à Éphèse et il a été un impact dans l'église d'Éphèse, mais aussi dans la vie des disciples. Voilà ce qui se passe quand on décide d'être plus proche. Les révélations qu'on peut avoir, le morceau de pain, on n'a pas honte, on a la foi et puis on laisse une trace dans la vie des autres. On impacte la vie des autres pour qu'ils puissent un peu plus ressembler à Jésus et chercher à être proche de Jésus. On sait que Polycarpe a été un des disciples de Jean et que Irénée de Lyon a été un des disciples de Polycarpe. Et eux-mêmes, ils parlent sur Jean. Ils donnent des données supplémentaires sur la vie de Jean, sur comment a été la fin de sa vie. Jean a fait des disciples qui ont fait des disciples. Jean a impacté sa génération. Pourquoi ? Parce qu'il cherchait la meilleure place. Alors qu'en cette fin d'année, tu puisses toi aussi, que je puisse moi aussi chercher cette meilleure place, celle qui est juste à côté de Jésus. On prie ensemble quelques instants. Seigneur, merci pour ces hommes qui, c'est vrai, sont imparfaits, ont eu des manquements, mais Seigneur, qui ont été sincères, qui ont voulu toujours te connaître un peu plus, malgré leur haut, malgré leur bas. Seigneur mon Dieu, tu nous enseignes encore ce soir à vouloir chercher la meilleure place, celle qui est à tes côtés. Pas celle qui est vue des hommes, pas celle qui va recevoir les éloges de la société, pas celle qui va permettre à ce que nous soyons mis en avant, mais ce que toi, tu sois mis en avant dans nos vies. Je prie pour mes amis, mes frères et sœurs qui écoutent ce message, que ce message puisse produire quelque chose dans notre vie, que nous puissions être, Seigneur, ces jeunes chrétiens, toujours rajeunis, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 4, même si l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Nous voulons conserver cette fraîcheur, cette jeunesse spirituelle pour oser, Seigneur, poser notre tête proche de toi pour vivre dans cette foi, pour impacter autour de nous et pour être fiers et ne pas avoir honte de toi. Merci Seigneur de bénir chacun, chacune qui a certainement reçu pendant ce temps de partage parce que ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir produit un effet dans les cœurs. Nous te disons merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse pour ces temps de réveillon, que vous puissiez bien sûr profiter de votre famille en toute sagesse et nous aussi, on va partir quelques jours dans la famille. Vous dire aussi qu'on se retrouve dimanche en présentiel à l'église. Voilà, l'église reste ouverte. Pendant un temps où il y a eu plusieurs cas dans l'église, où moi-même j'ai eu le Covid, on a fermé en semaine, mais l'église reste ouverte le dimanche et reprend le 4 janvier
en semaine. Reprend le mardi 4 janvier en semaine. Donc il y a eu un temps pour une petite pause en semaine, mais on va reprendre aussi. Donc on se retrouve dimanche 26 décembre à l'église à 10h. Que Dieu vous bénisse, profitez bien de ces moments. À bientôt.